Ce thème a été choisi en rapport avec la restitution des œuvres de la France au Bénin. Les toiles que nous voyons ici ont été faites par Cyprien Tokudagba, qui est un artiste sculpteur béninois. Il est le représentant de l'art béninois. Il est né en 1939 et décédé en 2012. C'est lui qui a réalisé les sculptures en ciment peint le long de la forêt sacrée et de la route de l'esclave. Là, nous avons le Wensagou, qui est le messager du roi. Il tient dans sa main une ricade. Il ne s'en sépare jamais. Ici, nous avons Soja. Ce sont les soldats. Ils ont tous les mêmes armes. Mais chacun a un gris-gris qui lui permet d'avoir de la puissance. Ici, nous avons un fusil là. Et là, un papé qui est un casse-tête ordinaire. Le Gao, qui est le général de l'armée, le ministre de la guerre. Il dirige toutes les opérations, même en présence du roi. Il a un fusil là, et un pota qui est un casse-tête spécial. Ici, nous avons Agodier. Ce sont les Amazones ou femmes soldats qui sécurisent le palais et vont également en guerre avec le roi. Ici, nous avons le Dada, qui est le roi. Il se distingue par ses chaussures appelées Afokpa et un pagne noué sur son épaule gauche. À sa droite, nous avons le Migan, qui est son premier ministre. Ici, nous avons Nan Atan Korentor, qui est la princesse au crachoir. Elle tient dans sa main une calebasse où sont recueillis les crachats du roi, qui seront ensuite enterrés dans un lieu secret pour éviter d'être utilisés à des fins maléfiques. Le génie est assis sur un cataclè. Et derrière, nous avons, le long de ça, que nous avons le foyer mortuaire, avec le symbole de la lune et du soleil. Là se trouve la ricade du roi Rubadja avec le poisson et la nasse, Agboli Agbo avec le pied coupé, Berzé avec le poisson et Claire avec le fusil parce que c'est sous son nez qu'a débuté la fabrication des armes à feu.